Yeah. Somewhere in between made it and making it. I don't worry about the status of it no more. Let them debate it. I've been getting back to my old ways. Some bad habits involved. Getting faded off the hooch lately. We getting loose, baby. You don't like the way I'm living. Fuck you, pay me. I put the work and I see the fruit daily. Salut mon gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de la Oscut Clank et j'espère vous faire plaisir. Aujourd'hui on se retrouve le 29, donc c'est bientôt le mois d'octobre. Donc j'espère vraiment que ça va vous faire très très plaisir. Donc c'est la rentrée, bah moi c'est tout simplement mon commentary. Je suis jamais passé sur l'obscur, je crois, parce que j'y étais déjà dedans une fois et ça avait pas trop bien marché. En tout cas les gars, je suis vraiment très très content de vous faire ce commentary aujourd'hui. Je vais me présenter un petit peu les teams que j'ai fait, mon parcours, etc. Mais avant de passer à tout ça, c'est tout simplement une nucléaire, Black Cell et un petit peu de coup de crosse. Donc vous allez voir, c'est vraiment un très très gros gameplay. Il a fait vraiment polémique ce gameplay, donc vous allez voir ça. C'est Neo qui nous a laissé simplement ce magnifique gameplay. S'il y a quelques interruptions dans mon commentaire, etc., c'est parce que je fais semblant, enfin sans coupure. Et j'essaie vraiment de faire le plus naturellement possible parce que j'ai jamais pris de texte, etc. Et puis ça fait plus d'un mois que j'ai pas commenté, donc voilà, excusez-moi. J'avais fait une sacrée pause sur YouTube et je reprends en force avec la Obscure Clan. Et voilà, donc j'espère que ça va vous faire très très plaisir. Je vous invite vraiment à lâcher plus de 300 likes pour mon arrivée dans l'Obscure Clan. J'espère vraiment que vous serez au rendez-vous pour ces likes et pour ce magnifique gameplay parce que c'est vraiment un truc de ouf. Et je tenais aussi à préciser qu'on a toujours des très très belles miniatures. Ça, vous pouvez le voir, le constater tout simplement sur la Obscure Clan. Donc je vous invite aussi à pourquoi pas aller follow le Mia Maker ou vous abonner à sa chaîne. Ça dépend vraiment de lui. Je sais pas qui fait la miniature, mais voilà, en tout cas, c'est plutôt sympa. Il y a aussi le player Neo qui mérite vraiment d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Et moi, bah voilà, je m'en bats un peu les couilles. Je pense que mon Twitter sera en description pour les intéresser. Ça me ferait un petit peu plaisir que vous allez follow. Mais voilà, je vous demande pas d'y aller. C'est voilà, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, les gars, on va se retrouver pour parler un petit peu de moi, de mon vécu, etc. Et un petit peu parler de la Obscure, ce que j'ai envie de faire dedans. Alors moi mon vécu c'est tout simplement, j'ai fait énormément de team performance. J'ai été leader de beaucoup de teams aussi. Ma première ça a été la, il y a 2-3 ans, la OPFR, donc la vieille. J'ai fait vraiment beaucoup de teams. Après j'ai fait une pause d'environ un an. J'ai fait la Psycland pour reprendre, qui est la team gérée avec Psy War, qui était le leader de la Obscure aussi à un moment. J'ai fait aussi la Know Your Rage, la Obscure Clan bien sûr. La Awa Clan, excusez-moi, en tant que leader. La Aria Clan. Storm Clan qui est toujours leader fondateur, voilà c'est ma team où je reste. Et j'ai fait énormément d'autres teams comme la ENDC, la For The Win. Je crois que j'ai tout fait en fait, la Fury Clan aussi. Et mon objectif maintenant c'est de rester dans l'Obscure Clan et de me donner à fond pour cette team performance. Parce que je pense qu'il y a quand même de l'avenir, malgré que c'est un remake un petit peu, on va dire ça comme ça. Mais on se donne vraiment à fond pour vous, j'espère que ça vous fait très très plaisir. On met toujours la qualité au rendez-vous et les gameplays surtout. Je pense que vous avez remarqué, c'est la petite particularité de l'Obscure cette année-là. Cette année-là je chantais pour la première. C'est qu'on met les gameplays, surtout les gameplays en avant. C'est-à-dire on va pas mettre les titres des commentaires, etc. On essaye de vous trouver les meilleurs gameplays possibles pour vous simplement réaliser des dingueries. Les payeurs mettent tout leur possible pour réaliser des dingueries et passer sur l'Obscure Clan. Parce que je peux vous dire c'est très très compliqué d'être player dans l'Obscure Clan. C'est que des players d'exception. On a très bons commentateurs, on a vraiment de très bons mini-makers. C'est un très bon staff qu'on a, une très bonne équipe de designers aussi. Donc franchement on est très très bien. Warnix a l'air plutôt motivé, sur Rox aussi. Donc voilà, on est très très bien pour cette année sur Call of Duty Black Ops 3 et bien évidemment sur World War 2, enfin on verra sur World War 2 parce que pour l'instant on n'a pas trop de nouvelles, enfin on verra la PGW, etc. etc. Je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne de l'Obscure Clan. Excusez-moi encore un petit peu pour le commentary. Je pense que vous aussi vous êtes un petit peu malade. Moi je me suis pris un sacré rhume, mais là je pense que ça va aller mieux. En tout cas les gars, je vous laisse, c'était War Joker. Je vous souhaite vraiment une très bonne soirée. Allez, peace tout le monde et prenez soin de vous. 2-3 foot tall, when it's just you, well, times can be tough.